Madame, Messieurs, vous suivez Congo Buzz Télévision. Merci de votre fidélité. Les titres du journal, le chef de l'État congolais a pris part ce mardi 18 octobre au rendez-vous économique annuel des Financial Times 2022. Félix Antoine Tshisekedi a rassuré les investisseurs sur l'amélioration du climat des affaires en RDC et puis adoption par le gouvernement du projet de loi sur l'exercice et la liberté de la presse en RDC. Il n'y aura pas de subvention pour les médias sans existence légale. La déclaration est du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Au chapitre des réactions, les professionnels des médias qui saluent l'adoption de ce projet de loi exhortent le gouvernement à améliorer les conditions sociales des journalistes congolais et d'assainir le paysage médiatique en RDC. Enfin, l'humanité célèbre ce 18 octobre, la journée mondiale de la ménopause. Objectif, pousser les nations à accorder une place primordiale à la santé après la ménopause. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a rassuré les investisseurs au Africa Summit 2022 des Financial Times à revenir faire les affaires en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, qui n'a pas manqué d'éventer les richesses de son pays, a indiqué que l'instabilité vantée par certains médias pour décourager les investisseurs n'est pas totalement fondée. Il a affiché sa détermination de mettre la bonne gouvernance au cœur de son action politique. Le reportage de Bienvenue Yaï. Ne considérez pas nos faiblesses, mais notre volonté de changement. Tel est le maître mot à retenir de l'allocution que le président de la République a prononcée lors de son intervention ce matin, du 18 octobre 2022 à Londres, à l'occasion du sommet sur l'Afrique organisé annuellement par les Financial Times. Ces assises auxquelles les FT convient les dirigeants influents de ces mondes a vu cette année être rehaussé de la présence de Félix Antoine Tshisekedi, également présent sous ses casquettes du président honoraire de l'Union africaine, l'organisation panafricaine, actuel président de la CAC et de la SADEC, deux organisations sous-régionales majeures du continent. Dans l'interaction qui a suivi son allocution, Félix Antoine Tshisekedi est revenu sur les enjeux et défis auxquels la RDC fait face sous sa présidence, les causes de la guerre d'agression que lui impose le Rwanda, où il y a les terroristes du M23, la question de la préservation de l'environnement, les climats des affaires, les possibilités d'investissement, les opportunités offertes dans l'économie verte, façon pour lui de donner des réponses appropriées à la thématique retenue à ces sommets. Au sujet de la présence des terroristes du M23 à Bunagana, comme il avait fait à la tribune des Nations Unies, l'invité du Financial Times n'y est pas allé du dos de la cuillère en interpellant une fois de plus la communauté internationale qui tarde à peser de son poids pour régler cette crise sécuritaire délaquée sur les sols congolais des réfugiés rwandais qui avaient fui la guerre chez eux, avec comme conséquence néfaste plus de 6 millions de morts côté congolais à ce jour. Félix Tshisekedi n'a pas non plus manché ses mots quand le moment était venu de défendre le processus en cours de l'attribution de blocs pétroliers et gaziers, laquelle ne fait pas l'unanimité auprès des environnementalistes et autres activistes qui luttent contre les dérèglements climatiques. La RDC a-t-il soutenu est le pays solution au réchauffement climatique et tient à cette vocation du fait de la biodiversité et sa position comme un des poumons du monde. Par contre, ces populations ont les droits, comme cela se passe par exemple au Gabon et en Norvège, de bénéficier de ces ressources naturelles, tant que les autorités respectent les conventions établies en la matière et qu'aucune loi, soit-elle internationale, ne l'interdit. Sur la même lancée, le président de la République n'a pas manqué de rassurer ceux dont les doutes subsistent sur la supposée absence du climat des affaires. Ce sont les premiers venus qui sont les premiers servis, a-t-il dit, comme pour affirmer que l'instabilité véhiculée par certains médias pour décourager les investisseurs n'est pas totalement fondée. Pendant que certains hésitent, précise-t-il, le pays est véritablement sur la voie de la relance à travers des projets d'envergure dans les domaines de l'agro-industrie, de l'énergie et des minéraux stratégiques qui entrent dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques, par exemple. Le chef de l'État a également marqué son intervention en mettant en lumière sa volonté de mettre la bonne gouvernance au cœur de son action politique. Il a nommément cité les cas des entreprises de télécommunications qui sont présentement traquées à cause de l'évasion fiscale dont elles ont fait montre depuis des années et qui font perdre à l'État congolais des milliards de dollars annuellement. Le président Tshisekedi est déterminé à y mettre un terme pour rompre définitivement avec les tares des régimes passés. Dans les après-midi, le chef de l'État a accordé des interviews, l'une au BBC et l'autre au Times. Le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, directeur des cabinets du Premier ministre, a, au nom du chef du gouvernement, procédé au centre Nganda, dans la commune de Kintambo, au lancement du séminaire interministériel de renforcement de capacité des experts, cadres et agents du bureau de coordination et suivi du programme BCPSC. Ces assises de 6 jours se déroulent sous le haut patronage du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui tient à la formation continue et permanente des structures ainsi que des services de l'État. Suivez le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, DIRCAB du Premier ministre. Il est au micro de Joël Isselona. Si le Premier ministre a autorisé la tenue de ce séminaire, c'est d'abord parce que il compte imprimer une politique nouvelle à tous les services rattachés à la primature. En ce qui concerne tout particulièrement le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, vous l'avez déjà dit, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, ce bureau a été élargi parce qu'aujourd'hui, il est remplacé par une agence. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi de toutes les conventions de collaboration que notre pays a signées avec tous les partenaires privés. Ça veut dire en fait que ce qui intéresse le gouvernement, ce n'est pas seulement le contrat qui a été signé avec la Chine, ceci est important, mais le gouvernement a une politique de diversification des partenaires. C'est vrai, la Chine est venue trop tôt, je dirais au bon moment, à un moment où beaucoup d'autres pays hésitaient à venir. C'est donc un partenaire sûr pour notre pays. Mais le gouvernement entend également faire participer d'autres partenaires, partenaires traditionnels notamment, au travail de reconstruction de ce pays. Voilà pourquoi, par décret, le Premier ministre a créé cette agence. Bientôt, donc, votre compétence sera élargie à d'autres types de conventions que le pays a signées ou signera avec d'autres partenaires. Voilà pourquoi, quelque part, une formation se justifie. Dans un autre registre, dans une série d'ordonnances lues le lundi 17 octobre 2022 à la télévision nationale, le président Félix Tshisekedi a effectué des nouvelles mises en place au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans ce lot, et le commandant suprême des FARDC a aussi mis à la retraite quelques officiers supérieurs et généraux de l'armée, Naomi Pilla, pour les détails. Portant nomination au sein du commandement des secteurs opérationnels des forces armées de la République démocratique du Congo. Au terme de ces différentes ordonnances, le général de brigade Sylvain Ekenge Bomoussa a été nommé commandant du service des communications. Il est donc devenu porte-parole titulaire des FARDC en remplacement du général Léon Richard Kassonga. Le général-major Ngoma Lebe Franck a été nommé chef d'état-major de la force aérienne des FARDC, tandis que le vice-amiral Kouyanti Lukombo est nommé chef d'état-major de la force navale. Dans la même foulée, le lieutenant-général Marcel Mbangou est nommé commandant de la 3e zone de défense après ses loyaux services à la 21e région militaire. Il remplace à ses postes le général Philemon Yav, détenu à Makala depuis près d'un mois. John Tibango, devenu général de brigade, est nommé commandant de la 21e région militaire. Il remplace Marcel Mbangou, nommé commandant de la 3e zone de défense. Dans ce lot, le commandant suprême des FARDC a mis à la retraite quelques officiers supérieurs et généraux de l'armée. Parmi les retraités figure l'ex-chef d'état-major général de FARDC, le général Célestin Mbala, qui a été remplacé à ses hautes fonctions par le lieutenant-général Christian Chiyeye. Signalons que ces ordonnances interviennent 2 semaines après celles portant réagissement au sein de l'armée. Je disais les titres à adoption par le gouvernement du projet de loi sur l'exercice de la liberté de la presse en RDC. Le ministre de la Communication et Médias est revenu sur les préalables à remplir pour espérer bénéficier de la subvention de la part du gouvernement. C'était au cours du briefing du lundi 17 octobre consacré aux grandes articulations du compte-rendu de la 73e réunion du Conseil des ministres. La suite en images. Parmi les innovations contenues dans ce texte, il y a par exemple la promotion de la viabilité économique des organes de presse pour garantir d'une part les intérêts des entrepreneurs et d'autre part les exigences fondées sur le développement des vecteurs économiques stables en faveur des employés. La loi prévoit aussi des subventions accordées aux médias par le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement revient sur les préalables à remplir pour en bénéficier. Le gouvernement ne peut pas accorder des subventions aux médias qu'il ne connaît pas. Lorsque je parle de connaissance des médias ici, c'est au sens administratif du terme. Les médias doivent être connus du ministère, ils doivent bénéficier des avis favorables et récépissés et toutes les conditions qui sont remplies pour qu'on arrive à cette fin. Aujourd'hui, nous avons bouclé le processus de l'assainissement du secteur des médias. Il est juste question que nous décidons de la fermeture de certaines. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour ce faire parce que malheureusement, nous serons obligés d'y arriver. Entre-temps, il y a des médias qui n'existent que des noms sans aucun soubassement légal. Pour Patrick Muyaya, l'adoption de ce texte est un point de départ du changement voulu par plusieurs dans le secteur des médias. Il y a des médias qui existent mais qui n'ont aucune existence légale. Dites-moi, vous avez 260 chaînes de télévision. Pour ne parler que des chaînes de télévision, comment vous vous partagez la manne publicitaire? C'est que les sociétés des télécoms dépensent aujourd'hui est largement inférieeur à ce qu'ils dépensaient il y a 10 ans. Aujourd'hui, combien coûte une publicité d'une minute? Les prix sont dérisoires justement parce qu'il y a trop des médias. Alors, le besoin qu'il y a, et c'est ce que nous avions dit à aux États généraux, c'est de nous regarder dans les yeux et de nous dire: est-ce que cet environnement de foisonnement des médias nous permet d'évoluer de manière viable? Pour rappel, lors des États généraux organisés en janvier dernier, il a été question de dégager des propositions de réformes pertinentes touchant au régime juridique des médias en général et de la presse en ligne en particulier, au statut du journaliste, à la dépénalisation des délits de presse qui pourra être précédé d'un moratoire dont les modalités d'encadrement feront l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les organisations professionnelles, à la modernisation des médias publics et au délit de la presse congolaise. Au total, 80 résolutions et recommandations ont été adoptées à l'unanimité par la plénière. Au chapitre des réactions, les professionnels des médias saluent le combat du ministre de la Communication, Patrick Muyaya, qui vise à redorer l'image de la presse congolaise. Par ailleurs, il exhorte le gouvernement à améliorer les conditions sociales des journalistes congolais et d'assainir le paysage médiatique congolais. Ordina Las Mobala est au micro des Jonsi Rachidi. Je suis très ému par rapport au combat que mène le ministre Patrick Muyaya. Je rappelle ici que Patrick Muyaya, il fait un ancien journaliste de CBS, donc il est l'un de nous. Par rapport à ce combat, en tout cas, félicitations à lui, parce que la loi de 1996, en tout cas, à un certain moment, ça avait démontré toutes ses limites. La loi de 1996, parce qu'aujourd'hui, si on constate sur le terrain, il vous suffit juste de dire quelque chose et directement vous êtes arrêté, vous êtes interpellé, vous êtes inquiété par la justice. Alors que son combat, c'est de mener contre le délit de presse. Aujourd'hui, même partout ailleurs dans le monde entier, on constate que s'il y a un problème, les journalistes sont obligés de rentrer dans sa rédaction, soit de dire la vérité sur ces faits-là qui se sont déroulés. Il est obligé de revenir écrire, soit dire encore la vérité sur la vraie version des faits. Mais aujourd'hui, malheureusement, on constate que il vous suffit juste de dire ce que vous avez peut-être eu comme information, une fois vous êtes inquiété. Mais son combat, c'est contre le délit de presse. En tout cas, nous nous félicitons par rapport à ça. C'était vraiment le moment. Surtout que nous allons petit à petit vers les élections, les chances électorales là, en 2023. Il était le moment, en tout cas moi j'ai dit que c'était le moment en tout cas pour le gouvernement, surtout pour son appui en tant que ministre de la communication et médias Patrick Muyaya, de pouvoir appuyer ce qui était déjà décidé lors des états généraux de la communication organisée dernièrement ici à Kinshasa. Dans le reste de l'actualité, bientôt les bus Transco vont circuler sur les artères de la province du Sankuru. Un lot de 5 bus a été embarqué pour le chef-lieu de cette province à l'issue d'une cérémonie officielle au port de la SCTP et présidée par le ministre des Transports et Voies de Communication et des Enclavements, Chérubin Okende, témoin de l'événement. Le gouverneur de cette entité, les élus de l'espace Grand Kassai ainsi que plusieurs personnalités politico-administratives. Le reportage de Joël Isselona. 24 heures après avoir servi les provinces du Kassai, Kassai central et Kassai oriental, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements, Chérubin Okende Singa, a présidé la cérémonie d'embarquement des 5 bus pour la province du Sankuru. Les engins ont été embarqués à partir du port de Kinshasa de la SCTP, en présence notamment du député national Guy Mafuta, qui avait plaidé pour les déploiements de Transco dans tous les grands Kassai, des dirigeants de transport au Congo, mais aussi du gouverneur de la province bénéficiaire. Jules Lodi a à cette occasion salué la vision du président de la République, relayée des mains de maître par le ministre des Transports qui la matérialise. Chérubin Okende Singa a remis les clés des bus au gouverneur de province tout en insistant sur un bon usage responsable. Transco a aussi besoin de l'encadrement, de l'accompagnement du gouvernement provincial. Vous-même étant conscient des défis qui sont les vôtres, vous ne ménagerez pas d'efforts pour relever ces défis et Transco est pour vous accompagner. Ces bus Transco vont désenclaver la province du Sankuru qui, depuis 1960, verra pour la première fois des engins de ce genre rouler à travers la province. Au-delà des bus, le Sankuru va bénéficier d'autres projets de développement, a annoncé Chérubin Okende. Conformément aux instructions données au ministre des Transports par le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi, les aéroports de Lodja, Lusambo et Tchoumbé seront construits. Les travaux vont bientôt être lancés, a dit le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements. Visiblement, Chérubin Okende poursuit sans désemparer la mission du désenclavement du pays, mission lui confiée au sein du gouvernement Sama Lukonde par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et tout à fait autre chose à présent, la première dame de la République démocratique du Congo a reçu le Grand Prix des développements africains. C'était à l'occasion de la 6e édition annuelle du Topic Business Summit, un événement panafricain qui a pour but de combler le déficit des financements entre les marchés anglophones, francophones, lusophones à l'échelle mondiale pour l'industrialisation de l'Afrique. Le reportage de Deborah Wamba. Pour cette 6e édition, les premières dames des Cap-Vert, de l'Angola et de la République démocratique du Congo ont été associées pour un partage d'expérience pour le rôle qu'elles jouent, celui d'influencer des nouveaux leaderships, particulièrement chez les jeunes filles. Une occasion pour la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, de présenter sa vision plus forte, qui est le reflet de son combat sur les questions qui touchent au bien-être des populations. Pour son engagement dans l'éducation de la jeunesse congolaise, notamment à travers le programme d'octroi des bourses Excellencia, la première dame de la RDC a reçu le Grand Prix du développement africain, les Tropic Awards. J'ai eu à prendre beaucoup d'expérience des autres premières dames, et même des questions des gens qui étaient dans la salle, surtout par rapport à l'éducation, à l'autonomisation de la femme, à la lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a une dame qui avait posé une question à propos de l'identité. C'est très important, je ne me suis jamais penchée, mais je pensais aussi à l'avenir, comment m'y prendre. Ces assises ont réuni plus d'une centaine de pays, startups, investisseurs et participants en ligne. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a rencontré Maman Bobila Dawa, épouse de feu président Mobutu, dans le cadre du projet Congo Féminin. Des entretiens qui ont duré un peu plus de 2 heures. La suite en images. À travers le projet Congo Féminin, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a voulu porter un regard particulier sur la promotion et la vulgarisation des femmes qui ont marqué les 60 dernières années de notre pays. Congo au féminin, c'est également honorer ces femmes qui ont impacté dans divers domaines l'histoire du Congo, de raconter leur histoire qui peut servir de modèle aux générations futures. Je pense que c'est une très bonne initiative. Parce que je pense que souvent on parle des hommes qui ont fait de grandes choses dans ce pays, c'est bien de le souligner, mais également je pense qu'il faudrait faire honneur aussi à toutes celles qui ont, par leurs actes physiques, intellectuels, voilà, qui ont contribué aussi. Plus de 2 heures de tête-à-tête d'échanges d'expériences entre les deux personnalités, Denise Nyakeru Tshisekedi prend le temps de capitaliser l'instant pour apprendre de celle qui fut autrefois première dame du Congo. Une visite de l'actuelle première dame à une autre grande dame qui a commencé par un hommage rendu à son mari et ancien président. Denise Nyakeru Tshisekedi s'est inclinée devant la tombe de Feu Mobutu qui repose au cimetière chrétien de Rabat. Toujours au Maroc, Denise Nyakeru Tshisekedi a également profité dès son séjour au Maroc pour rendre visite aux boursiers Excellencia. Au total, 16 boursiers du programme Excellencia poursuivent leur cursus académique dans les différentes universités du Maroc. La suite en images. Au total, 16 boursiers du programme Excellencia poursuivent leur cursus académique dans les différentes universités au Maroc. À travers cette visite, la première dame de la République a voulu maintenir le contact avec ses lauréats. Comme pour ce parti, pour la France et les États-Unis, il était question pour la présidente de la Fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, de se faire une idée sur leur intégration et de s'informer sur l'évolution de leur cursus pour les anciens et leur confier la charge de nouveau pour une meilleure adaptation au pays qui les accueille et qui offre aux boursiers de nouvelles connaissances dans différents domaines. Une visite réconfortante pour ce jeune qui découvre un autre univers qui est le leur. Je suis fière, très fière de vous, surtout pour votre parcours. Même si la nourriture n'est pas comme chez nous, mais débrouillez-vous, c'est ça la vie. Étudiantine, quand on n'est plus chez papa et maman, c'est différent. Donc je compte vraiment sur vous pour exceller. Le froid, c'est normal, c'est un autre climat. Donc, je crois que vous avez pu avoir de quoi vous acheter tout ce qu'il faut. Adaptez-vous surtout. Faites profil bas. Faites la fierté du pays. On compte beaucoup, beaucoup sur vous. L'épouse du chef de l'État a rassuré de son soutien à ce jeune en quête du savoir. À noter que ces boursiers sont de la première et deuxième édition Excellencia. Je disais dans les titres, pousser les nations à accorder une place primordiale à la santé après la ménopause. C'est les buts visés par la célébration de la Journée mondiale de la ménopause ce vendredi 18 octobre 2022. Dans une interview téléphonique accordée à la rédaction de Congo Buzz Télévision, le docteur Freddy Toumba, gynécologue obstétricien et responsable du cabinet médical Acacia, répond aux questions d'Esther Pinda. Les symptômes de la ménopause sont couramment de bouffées de chaleur, du changement des cycles mensuels, troubles du sommeil, troubles d'humeur, sécheresse de la peau, de cheveux et du vagin, incontinence urinaire, maux de tête, fatigue, prise de poids. Mais nous signalerons que les risques de maladies cardiovasculaires augmentent après la ménopause. 10 ans après celle-ci, les risques encourus par les femmes sont aussi élevés que ceux encourus par les hommes du même âge. Concernant ce site que vous voyez sur Internet pour soulager la ménopause, je ne pourrais pas faire de commentaires parce que ce n'est pas approuvé par les scientifiques. La ménopause est un processus naturel dont les traitements se concentrent sur le soulagement des symptômes. Par exemple, la sécheresse vaginale qui est traitée au moyen de lubrifiants oestrogènes. Les médicaments peuvent réduire l'intensité et la fréquence des bouffées de chaleur dans certains cas. Une hormothérapie orale peut être prescrite. C'est pour ça que nous disons que la ménopause est une période particulière de réévaluation de votre état de santé. Il faut toujours être accompagné de votre médecin, les consulter pour vous donner des conseils précis. On va parler sport. La Confédération africaine de football a procédé ce mardi 18 octobre 2022 au tirage au sort des barrages pour la Coupe de la Confédération. Desampé, Mazembe et Saint-Éloi-le-Popo, par contre, jouera le perdant du match de la Ligue des champions qui se jouera ce jeudi à Kinshasa. Il opposera à AS Vita Club au Burkinabé des Kadiogo. Les Kinois sont arrivés depuis ce mardi au pays après un nul des 0 buts partout du match aller de cette compétition à Cotonou. Daniel Kambowa signe ce reportage. La Confédération africaine de football vient de livrer ce mardi 18 octobre 2022 les combinaisons des 16e de finale additionnelles après tirage au sort. Déversé dans cette compétition, le TP Mazembe affrontera les Sud-Africains de Royal AMC, alors que le DCMP jouera les Ougandais du Flambeau du Centre. Pour son retour dans l'élite africain, la formation de Saint-Elo Lupopo affrontera le perdant du match opposant l'AS Vita Club au Rai Club Kadiogo. Notons par ailleurs que les rencontres retour se joueront à domicile pour les équipes provenant de la Ligue des champions. Sport encore, le technicien congolais Pamphile Mihayo a pris ses fonctions d'entraîneur principal du tout-puissant Mazembe le lundi 17 octobre au cours d'une cérémonie au stade des Mazembe de la commune de Kamalondo. Le sauveur de la saison 2022-2023 a été présenté officiellement aux joueurs et autres membres du staff technique de ce club bouchois. Daniel Kambowa signe une fois de plus son reportage. Nommé entraîneur principal juste après l'élimination des Mazembe en Ligue des champions, Pamphile Mihayo est déjà dans ses fonctions et il a dirigé sa première séance d'entraînement lundi 17 octobre. Avant cette séance, le nouvel entraîneur a pris le soin d'échanger avec les joueurs. Déversé en Coupe de la Confédération, où les corbeaux devront croiser les bottines autour des cadrages avec l'un des 16 qualifiés du deuxième tour de la dite compétition, Pamphile Mihayo a rappelé à ses joueurs le défi qui attend les TP Mazembe. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, mais bon, oublions comme l'a dit le président et mettons-nous sérieusement au travail pour sauver la saison et préparer la saison prochaine. Sauver la saison, c'est faire mieux. Déjà, par rapport au match qu'on va jouer déjà mercredi là, dans le compte de la Ligue en foot, mais il faut jouer ce match-là avec beaucoup d'envie. Pour réussir, c'est beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, beaucoup de présence physique d'abord. Le mental doit être costaud, nous devons être forts mentalement sur le terrain pour gagner ce match-là. Il y a le match de barrage qui va arriver pour le compte de la Coupe de la Confédération. Ben, il faut aller gagner ce match-là pour se qualifier, pour continuer dans cette compétition africaine, malgré que c'est la deuxième après la Champions League, c'est la Confédération, c'est aussi important. Notons qu'après les tirages au sort de ce mardi, le noir et blanc de la capitale du cuivre croisera Royal AMC de l'Afrique du Sud. Et puis, ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante, l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion nationale qu'elle a été notifiée en date du 14 octobre 2022 de l'ordonnance du Conseil d'État lui ordonnant de suspendre la décision numéro 040/CENI/AP/2022 du 22 septembre 2022 portant convocation de la reprise de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Maniema. La CENI prend acte de l'ordonnance numéro ROR 509 du 14 octobre 2022 du Conseil d'État. Par conséquent, elle annonce la suspension jusqu'à nouvel ordre du calendrier de la reprise de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Maniema par sa décision numéro 041/CENI/AP/2022 du 17 octobre 2022, fait à Kinshasa le 17 octobre 2022 pour le rapporteur empêché Agé Matembo Kester. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, le rappel des titres, le chef de l'État congolais a pris part ce mardi 18 octobre au rendez-vous économique annuel des Financial Times 2022. Félix Antoine Tshisekedi a rassuré les investisseurs de l'amélioration du climat des affaires en RDC. Et puis, adoption par le gouvernement du projet de loi sur l'exercice de la liberté de la presse en RDC. Il n'y aura pas de subvention pour les médias sans existence légale. La déclaration déclaration du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Au chapitre des réactions, les professionnels des médias qui saluent l'adoption de ce projet de loi exhortent le gouvernement à améliorer les conditions sociales des journalistes congolais et d'assainir le paysage médiatique en RDC. Enfin, l'humanité célèbre ce 18 octobre la journée mondiale de la ménopause. Objectif, pousser les nations à accorder une place primordiale à la santé après la ménopause. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de Congo Buzz Télévision. L'information est en continu sur notre site www.congobuzz.net, mais également sur notre chaîne YouTube. Au revoir.